Et le voilà, donc le beau Dave, étalon débutant au haras de Saint-Fray, pour le compte de Madame Georges Sandor, fameuse Kazakh qu'il a portée en piste durant toute sa carrière, qu'il a commencé chez Pia Brandt. C'était un cheval qui a gagné un Méden de très belle manière à Saint-Cloud en début d'année de 3 ans et qui a ensuite poursuivi une belle carrière en se plaçant sur le podium de 4 courses de groupe et de listed, notamment dans le prix Daphnis. Cheval dur qui est ensuite revenu avec l'âge chez Nicolas Paysan et qui a regagné. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il est très signé de papa, son père, c'est le fameux Wootton Bassett, un étalon qui s'est construit tout seul, un vrai améliorateur qui a ensuite est devenu une star et est aujourd'hui parti à Coolmore où il a été l'étalon le plus demandé dans le plus grand haras du monde. Très belle famille, cheval élevé au haras des granges, sa mère Dance Toupi est une sœur de deux gagnants de groupe et placée de groupe 1 au Japon. Et la grand-mère, bah, c'est Toupi qui avait gagné le prix d'Arenberg, donc beaucoup de précocité, mais qui s'était aussi placée deuxième de la poule d'essai des Pouliches. Très beau modèle, regardez, 1m65 pour ce Dave, qui va donc débuter au haras de Saint-Fray à 1 500 € la saillie. C'est l'un des rares en France fils de Wootton Bassett avec Almanzor et Woodet, qui sont à des tarifs tout à fait élevés. Dave et lui à 1 500 €, très signé de son père, dont l'influence ne risque pas de se tarir. Il sera donc au haras de Saint-Fray chez Catherine Savard en 2022.